Comment est-ce que concrètement vous transformez précisément le poison dont on parlait en espoir? Eh ben, concrètement, par exemple, il faut poser ce que nous on veut. Il faut poser ce que nous on veut. Par exemple, moi, qu'est-ce que je dis? Je dis que, en principe, si nous étions au pouvoir, si nous étions prêts, si nous étions à l'Élysée, dès cet été, on fait des vacances avec plus de bonheur pour les Français. Pourquoi? Et ça veut dire quoi? Oui, c'est quoi? Mais je vais vous le dire, ce que ça veut dire. Ça veut dire. Dès qu'on parle de vacances, on est curieux. Ça veut dire que là, aujourd'hui, les Français, la première chose dont ils se privent, quand je les interroge, le sentiment de déclassement, il passe d'abord par les vacances. On voit que ça se passe aussi par l'alimentation. Bon, mais ça passe aussi beaucoup par moi. Mon père était ouvrier, il n'y avait qu'un seul salaire dans ma famille, et pourtant, on partait en vacances. Maintenant, moi, il y a deux salaires à la maison, c'est pas moi, hein, c'est un chef de ligne dans l'industrie agroalimentaire qui me raconte ça. Il y a deux salaires à la maison, et pourtant, je ne peux pas emmener mes enfants en vacances. Donc ça pose les questions de déclassement. Je pense qu'on doit réinventer, par exemple, un projet pour les vacances dans cette société. Je veux dire, l'évidence, c'est quoi? L'évidence, c'est dire péage gratuit. Bon, les autoroutes se sont assez gavées. L'évidence, c'est de dire on va mettre le train illimité à 10 euros. Mais quand vous dites compétitivité, est-ce que vous pensez que c'est en continuant à diminuer les salaires? Est-ce que c'est en continuant à diminuer les normes environnementales? Est-ce que c'est en continuant à diminuer les normes fiscales qu'on va être compétitif avec la Chine sur la molécule que je citais tout à l'heure, la lysine? Ah, y a pas je vous interroge. Ah non. Moi, ce que mais François Ruffin, moi, ce que je vous dis, c'est que vous ne pourrez pas être. Comment on résout le déficit commercial? Il y a deux solutions. Soit on vise à exporter davantage, et donc il nous faut de la compétitivité, et donc il nous faut baisser les normes fiscales, sociales, environnementales. C'est ce qu'on fait depuis 40 ans avec un échec chronique. Soit on se dit notre objectif est d'importer moins. Et c'est là ce qui devrait être la clé du problème. Sur, par exemple, la molécule que j'ai citée tout à l'heure, l'alizine, si on veut garder une certaine autonomie, si au moins on veut garder une base industrielle là-dessus, si on veut garder un certain savoir-faire qui fait qu'en cas de problème, on est encore capable de la produire, c'est pas en alignant les salaires des ouvriers de Picardie sur ceux de Shanghai qu'on va s'en sortir. C'est en se disant qu'il y a à rétablir une certaine protection aux frontières de l'Union européenne qui fait qu'on va modérer un libre-échange qui est devenu complètement fou. Voilà une option. Et je pense que cette option, elle doit maintenant être posée sur la table. Je pense que quand on prend la situation des chefs d'entreprise, se pose la question de la justice fiscale dans ce pays. Parce que comment ça se fait que les TPE-PME sont taxés à hauteur de 24%, que les entreprises du CAC 40, en moyenne, elles vont être à 4%, et qu'on a Total qui va réussir à payer 0% d'impôt sur les sociétés? C'est l'optimisation fiscale qu'une petite entreprise, effectivement, c'est impossible pour elle de toute manière de la faire, quand bien même elle souhaiterait le faire. Et ce qui est vrai pour les entreprises avec les petits payent gros et les gros payent petits, est vrai aussi au niveau des individus. Puisqu'on va avoir une taxation des grandes fortunes de ce pays qui, en pourcentage, va être inférieure à ce que moi ou vous, vous pouvez payer en tant qu'individu. Pourquoi? Parce que, alors je ne vais pas faire un cours, je ne vais pas remplacer Emmanuel Lechypre, mais il y a eu un déplacement des bases fiscales. C'est-à-dire qu'auparavant, c'était ce qui était mobile qui était taxé. L'impôt sur les sociétés était de 50% au milieu des années 80. Aujourd'hui, on est passé comme taux affiché à 25%, et je vous l'ai dit, Total est à 0%. Donc, et ça s'est déplacé vers les bases immobiles. C'est-à-dire, vous n'allez pas aller situer le siège de votre entreprise au Luxembourg, aux Bahamas, aux îles Caïmans. Et vous-même, vous n'allez pas déménager en Andorre pour avoir une meilleure fiscalité. Donc là, se pose la question de sur qui repose l'impôt. Et je pense que c'est la première des questions, en fait, qu'on aura à affronter sur le terrain comptable quand nous serons à l'Élysée et dans les ministères. Ça sera la question de qui doit payer l'impôt. Et il est évident qu'il doit y avoir un mouvement vers davantage de justice fiscale dans ce pays. Je vous dis pourquoi c'est lié aux retraites. Parce que moi, ce qui me navre le plus là-dedans, c'est le gâchis. L'immense gâchis. On devrait être en train de se demander comment on fait pour remettre sur pied l'école. On a un hôpital en lombo, comment on fait pour le remettre sur pied? On a un rail qui déraille, comment on fait pour le remettre sur pied? On va avoir des sécheresses à affronter, comment on fait? Et on devrait se retrousser les manches ensemble, côte à côte, pour faire ça. Et à la place, on a mis les brandons de la discorde dans le pays, on a créé la désunion et de la division. C'est pas le chemin qu'il nous faut. Moi, je viens parler pour l'unité de la nation. Je viens parler pour un pays et une démocratie pour laquelle je suis inquiet. Je viens parler pour une injustice que je ressens vis-à-vis des professions que j'ai énoncées. Mais de manière plus générale, je viens parler pour mon pays. Et je viens vous dire le gros souci que j'ai quand, dans un moment de fracture comme celui-là, dans un moment où apparaissent trois blocs clairs dans la société française et aussi dans l'hémicycle, avec un bloc central libéral qui s'effrite et là qui s'effondre, avec un bloc d'extrême droite et avec un bloc de gauche. Dans ce temps de fracture-là,
Prenant conscience de ça, que doit faire le président de la République? Il doit chercher à rassembler. Il doit chercher à apaiser. Et s'il ne le fait pas, il se passe quoi? Mais s'il ne le fait pas, il se passe à la fois que ça produit, je le dis, de la colère puissante dans le cœur des gens, certains qui vont l'exprimer, et parfois pas de la meilleure des manières, et d'autres qui vont avoir le poison du ressentiment. Et moi, je sais. Et ce poison du ressentiment dont vous parlez depuis le début de l'émission, vous pensez qu'il va, il va mener à quoi? Ben, politiquement, il peut mener au pire dans notre pays. Et c'est quoi le pire? Il peut mener, manifestement, à Marine Le Pen. Maintenant, je viens de dire ça sans fatalisme. Moi, je ne suis pas là pour commenter seulement. Je suis là pour associer le pessimisme de la lucidité à l'optimisme de la volonté. Et dire qu'il n'y a pas de fatalité à ça. On voit la pente glissante sur laquelle on se trouve. Il y a une pente dépressive. Il faut réussir, ce que aurait dû faire notre président de la République, à mettre de l'enthousiasme là-dedans. Et soulever le pays d'enthousiasme. Et je dis, dans ce moment-là, on s'est un peu moqué de moi quand j'ai dit ça. Mais pour moi, il aurait dû parler au pays avec tendresse. Les gens, ils avaient besoin d'amour. Ils avaient besoin qu'on les aime, qu'on les reconnaisse. Ils n'aiment pas les Français? Mais non, là, en tout cas, la manière dont ils se comportent à leur égard, c'est avec une position de surplomb effrayante, avec une distance énorme. Quand vous voyez comment les forces de police qu'il y a devant le Conseil constitutionnel, et qu'il appelle ça le cheminement démocratique, il est manifestement en marche, quoi. Il y a quand même une immense distance avec, aujourd'hui, les Français. Il y a toujours eu cette distance. François Ruffin. Semaine décisive. Une de plus. La réforme des retraites va connaître une sorte d'épilogue. Mais est-ce que la colère va s'éteindre pour autant? La tension est vraiment montée d'un cran. Certains manifestants et les forces de l'ordre, eh bien, s'affrontent. On doit revoir l'âge de cette réforme. Faut pas lâcher, c'est la 12e, donc jamais 1213. Le message, le voici, ce sont des déchets qui jonchent depuis ce matin la rue Montpensier, pile en face du Conseil constitutionnel. La décision du Conseil constitutionnel est très attendue à l'Élysée vendredi. Je souhaite que ça puisse venir clarifier toutes les questions qui se posent. Il est complètement déconnecté des besoins de la population. Beaucoup de suspense hein, pour ces décisions qu'on attend demain maintenant. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette émission spéciale intitulée ce soir « Le moment décisif ». Nous sommes à quelques heures de la décision du Conseil constitutionnel. On peut dire que tout se joue maintenant. La mobilisation contre la réforme des retraites va-t-elle s'arrêter ou au contraire se renforcer? Bonsoir et bienvenue sur BFM TV ce soir. Nous vous donnons la parole, vous qui êtes assis dans ce public ce soir, vous allez pouvoir participer. Certains d'entre vous sont pour la réforme, d'autres plus nombreux sont contre cette réforme. Évidemment, vous pourrez intervenir à tout moment dans l'émission et poser des questions à nos invités, et notamment le premier de nos invités ce soir, c'est François Ruffin. Bonsoir François Ruffin. Bonsoir. Merci d'être là, député de la France Insoumise de la Somme. On a ces images, François Ruffin, ce soir. On a eu encore aujourd'hui des images de violence, mais des images de manifestation globalement aujourd'hui, avec moins de monde. Quand on a ces violences, quand on a des cortèges moins nombreux, est-ce qu'il n'y a pas urgence, d'une certaine manière, à ce que tout ça s'arrête aussi, d'une manière ou d'une autre? Je veux dire... Vous avez intitulé votre émission « Le moment décisif ». Et je veux le prendre au sérieux. Et au sérieux au sens large. C'est-à-dire que le moment, c'est pas seulement la décision du Conseil constitutionnel demain. C'est le moment qu'on vit depuis 6 mois, et au fond qu'on vit depuis 1 an, qu'Emmanuel Macron a annoncé que sa réforme phare serait de repousser l'âge de la retraite de 62 à 64 ans. Décisif, je suis linguiste, moi, de formation. Dans ce décisif, ça vient de caille d'arrêt, ça veut dire couper. Et je veux que... On mesure, il y a 6 mois, je disais déjà, cette réforme est une folie. Je veux qu'on mesure ce que ça va produire comme coupure nouvelle dans la société française. C'est une déchirure. On vit un moment de déchirure. Ça veut dire que ce qui se passe là, il ne faut pas croire que ça va se réparer en 15 jours, 3 semaines, 1 mois, même s'il n'y a plus de manifestation. Parce qu'il y a quelque chose de pire que les images que vous voyez. Il y a quelque chose de pire, c'est le poison du ressentiment qui s'infiltre dans le cœur social. Et le sentiment que, comment on fait pour être écouté? On fait des manifestations, on est 1, 2, 3 millions, on n'est pas écouté. On a des syndicats qui sont unis, ils ne sont pas écoutés. Enfin voilà, on a des... Mais votre crainte derrière, c'est quoi alors? Votre crainte, c'est quoi derrière? Ma crainte derrière, c'est qu'on insinue encore toujours davantage, on instille dans le corps social le poison du ressentiment. On produit une nouvelle déchirure. Pour moi, ce n'est pas la première.
C'est au moins la troisième déchirure marquante. Il y a la première déchirure, elle vient, remonte au traité constitutionnel européen de 2005, où il y a un message très clair envoyé par les Français à l'époque, 55% des Français, 80% des ouvriers, qui disent non, qui votent non. On ne veut pas de la libre circulation des capitaux et des marchandises, on ne veut pas de la concurrence libre et non faussée. Et derrière, le pouvoir fait comme si, à Lisbonne, il n'y avait pas ce message-là qui était passé par le peuple. Ça produit une déchirure profonde dans le corps social des Français. Deuxième déchirure, le mouvement des Gilets jaunes, où là, il n'y a pas de compromis social qui est passé à la sortie. Emmanuel Macron fait le blabla du droit débat. Il peut croire s'en être sorti. Mais en n'écoutant pas ce que disent les Français à ce moment-là, en passant pas de compromis avec les Français, eh bien, à nouveau, on instille dans le corps social le poison du ressentiment. Et là, je ne sais pas ce que va décider le Conseil constitutionnel. Je pense que ça va faire l'objet d'une petite discussion entre nous. Évidemment. Mais derrière, même si on a l'impression que ça s'éteint, on verra bien. C'est pas ce que je souhaite, parce que je pense que quand on met le couvercle sur la marmite, c'est encore pire parce que ça... Mais vous voyez qu'il y a ce risque-là pour le mouvement. Ça fait 3 semaines que ça baisse en réalité. C'est possible, on verra. Mais le mouvement n'a pas dit son dernier mot. C'est un mouvement qui est surprenant. Il va y avoir les manifestations du 1er mai. Mais je vous dis, il y a pire que ça. C'est le poison du ressentiment que ça instille. Mais vous dites le corps qu'il y a 3 déchirures. Vous les avez listées ce soir. Elles accouchent de quoi? Quelle est la suite? Est-ce que vous dites que vous aussi, on est dans une crise de régime, comme le dit Jean-Luc Mélenchon? Et ensuite, il se passe quoi? Ben, là, on est dans une crise démocratique profonde. Quand c'est le sentiment de ne plus être représenté, de ne plus être écouté. Quand Emmanuel Macron dit à ses ministres « il faut parler au pays », mais déjà, il faudrait l'écouter, le pays. Il faudrait le comprendre, le pays, avant de dire « allons lui parler ». Donc là, il y a une coupure qui est pour moi pas seulement avec Emmanuel Macron, mais qui devient une coupure mais beaucoup François plus générale. En vous écoutant, on a l'impression que la réforme des retraites en elle-même, elle est presque devenue secondaire par rapport à toutes les fractures provoquées par la méthode. C'est-à-dire que vous dites que c'est une déchirure, mais la réalité, c'est que cette réforme des retraites, il y en a eu plusieurs avant, c'est pas la plus violente, elle n'était pas d'une ampleur absolument considérable. Et moi, ce que je comprends dans ce que vous dites, c'est que c'est un problème plutôt de méthode qu'un problème de fond. C'était une réforme paramétrique, c'était pas une grande réforme des retraites. Je pense que cette réforme porte une injustice profonde, mais puisque vous ne prenez pas par ce bout-là, je ne vais pas le prendre non plus par ce bout-là. Je pense que le moment où elle advient est terrible. Elle advient quand? Elle advient après 2 années de crise Covid, et on a dit aux premières ou aux deuxièmes lignes, je rappelle cette phrase d'Emmanuel Macron, puisqu'il disait lui-même, il faudra se rappeler que notre pays tout entier repose aujourd'hui sur ces femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. Les auxiliaires de vie, les caristes, les camionneurs, qui ont continué à faire leur boulot. À la sortie de ça, qu'est-ce qu'il y a comme reconnaissance? Qu'est-ce qu'il y a comme rémunération? Il y a l'inflation qui vient gréver leur salaire, et il y a, en plus, on va vous mettre 2 ans de plus, alors qu'ils vivent des conditions de travail déjà très, très difficiles. Bon, comme si ça ne suffisait pas. Après la crise Covid, vous avez la guerre en Ukraine, vous avez les prix qui augmentent plus vite que les salaires, vous avez les factures d'énergie, on se demande comment les payer, comment on va faire son plein dans la voiture, et j'ajoute quand même une crise démocratique. Quel est le message qui sort de la dernière élection à la fois présidentielle et législative? C'est quand même une France qui est fracturée. Donc, mais François Ruffin, le pouvoir va vous dire que ça n'est jamais le bon moment. Il y a toujours 1000 raisons pour ne pas faire de réforme, y compris la réforme des retraites. Non, mais je pense que, je vous redis les fractures qu'il y avait l'année dernière. Je vous dis ce moment d'usure, de fatigue des Français, et qui fait que même des gens qui ne sont pas du tout de gauche, qui ne sont pas du tout de notre camp, qui se disent « mais vraiment, ce n'est pas le moment de faire ça ». Donc c'est une évidence. Monsieur Ruffin, le président avait déjà renoncé à sa réforme des retraites précédente, justement parce qu'il avait estimé que ce n'était pas le moment, juste après les confinements multiples que nous avons vécus entre 2020 et 2021. Donc une première fois, il vous a suivi sur ce point-là. Il faut bien qu'à un moment, en plus, il a annoncé la réforme. Vous dites crise démocratique. La démocratie, c'est annoncer ce qu'on va faire et ensuite le mettre en œuvre. Donc... Savez, par exemple, il avait annoncé dans son programme que les accompagnantes d'enfants en situation de handicap verraient avoir un salaire décent et au minimum le salaire minimum. Il se trouve qu'il a moins d'empressement à le mettre en œuvre. Bon, mais je vous le redis, moi je viens parler pour l'unité de la nation. Je viens parler pour un pays et une démocratie pour laquelle je suis inquiet. Je viens parler pour une injustice que je ressens vis-à-vis des professions que j'ai énoncées. Mais de manière plus générale, je viens parler pour mon pays. Et je viens vous dire le gros souci que j'ai quand, dans un moment de fracture comme celui-là, dans un moment où apparaissent 3 blocs clairs dans la société française et aussi dans l'hémicycle, avec un bloc central libéral qui s'effrite et là qui s'effondre, avec un bloc d'extrême droite et avec un bloc de gauche. Dans ce temps de fracture-là, prenant conscience de ça, que doit faire le président de la République? Il doit chercher à rassembler.
Il doit chercher à apaiser. Et s'il ne le fait pas, il se passe quoi ? Mais s'il ne le fait pas, il se passe à la fois que ça produit, je le dis, de la colère puissante dans le cœur des gens, certains qui vont l'exprimer, et parfois pas de la meilleure des manières, et d'autres qui vont avoir le poison du ressentiment. Et moi, je sais. Et ce poison du ressentiment dont vous parlez depuis le début de l'émission, vous pensez qu'il va, il va mener à quoi ? Ben, politiquement, il peut mener au pire dans notre pays. Et c'est quoi le pire ? Il peut mener manifestement à Marine Le Pen. Maintenant, je viens de le dire ça sans fatalisme. Moi, je ne suis pas là pour commenter seulement. Je suis là pour associer le pessimisme de la lucidité à l'optimisme de la volonté. Et dire qu'il n'y a pas de fatalité à ça. On voit la pente glissante sur laquelle on se trouve. Il y a une pente dépressive. Il faut réussir, ce que aurait dû faire notre président de la République, à mettre de l'enthousiasme là-dedans. Et soulever le pays d'enthousiasme. Et je dis, dans ce moment-là, on s'est un peu moqué de moi quand j'ai dit ça. Mais pour moi, il aurait dû parler au pays avec tendresse. Les gens, ils avaient besoin d'amour. Ils avaient besoin qu'on les aime, qu'on les reconnaisse. Ils n'aiment pas les Français ? Mais non, là, en tout cas, la manière dont ils se comportent à leur égard, c'est avec une position de surplomb effrayante, avec une distance énorme. Quand vous voyez comment les forces de police qu'il y a devant le Conseil constitutionnel, et qu'il appelle ça le cheminement démocratique, il est manifestement en marche, quoi. Il y a quand même une immense distance avec, aujourd'hui, les Français. Il y a toujours eu cette distance. François Ruffin, Pourquoi vous citez spontanément Marine Le Pen comme celle qui pourrait en profiter, par exemple, plutôt que la gauche ? Pourquoi la colère, le ressentiment, ce besoin de tendresse, ça mènerait à Marine Le Pen, forcément ? Il n'y a pas de fatalité. Vous n'en bénéficiez pas ? Je le redis, il n'y a pas de fatalité. Et moi, je viens sur ce plateau ce soir et je vais partout pour lutter contre cette pente-là. Je suis convaincu que la pente du ressentiment, de la colère, individuel, gardé dans son coin, qui pourrit dans le cœur, ça mène pas au meilleur. Donc nous, on a une alchimie à opérer, qui est la transformation de la colère en une espérance. Et je veux dire, la crise de 1929, elle a conduit dans le monde, à la fois au New Deal aux États-Unis, elle a conduit au nazisme en Allemagne, elle a conduit au Front populaire en France. Donc je viens dire, il n'y a pas de fatalité à ça. Mais pardon, ce sont des mots, ce sont vos mots ce soir. Comment est-ce que concrètement vous transformez précisément le poison dont on parlait en espoir? Eh ben, concrètement, par exemple, il faut poser ce que nous on veut. Par exemple, moi, qu'est-ce que je dis? Je dis que, en principe, si nous étions au pouvoir, si nous étions prêts, si nous étions à l'Élysée, dès cet été, on fait des vacances avec plus de bonheur pour les Français. Pourquoi? Ça veut dire que là. Aujourd'hui, les Français, la première chose dont ils se privent, quand je les interroge, le sentiment de déclassement, il passe d'abord par les vacances. On voit que ça se passe aussi par l'alimentation. Bon, mais ça passe aussi beaucoup par moi. Mon père était ouvrier, il n'y avait qu'un seul salaire dans ma famille, et pourtant, on partait en vacances. Maintenant, moi, il y a deux salaires à la maison, c'est pas moi, hein, c'est un chef de ligne dans l'industrie agroalimentaire qui me raconte ça. Il y a deux salaires à la maison, et pourtant, je peux pas emmener mes enfants en vacances. Donc ça pose des questions de déclassement. Je pense qu'on doit réinventer, par exemple, un projet pour les vacances dans cette société. Je veux dire, l'évidence, c'est quoi ? L'évidence, c'est de dire péage gratuit. Bon, les autoroutes se sont assez gavées. L'évidence, c'est de dire on va mettre le train illimité à 10 euros. Et l'évidence, c'est de dire, bah, voyez, il y a des problèmes, on manque de serveurs, par exemple, dans les restaurants et du Sud. Bah, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des étudiants qui sont en galère. Eh ben, on construit le fait qu'on va mener les étudiants. Est-ce que l'évidence, c'est pas d'abord de s'attaquer aux vraies préoccupations quotidiennes des Français plutôt que de les envoyer en vacances? Est-ce que vous aurez le courage, est-ce que vous auriez le courage, par exemple, ce qui n'est pas fait dans ce pays depuis 40 ans, de s'attaquer au problème du logement, qui est, en fait, un des problèmes essentiels puisque beaucoup de cette hypersensibilité sur la question du pouvoir d'achat vient de la place du logement prise dans le budget des Français. Alors, je suis pleinement d'accord avec vous, monsieur Chip. Bon, maintenant, je vous dis ce qu'on peut faire en 3 mois. Vous voyez, les lumières qu'on peut ramener... Une fois qu'ils seront rentrés de vacances, les Français, okay. Maintenant, vous savez, ils retrouveront leurs problèmes. Il y a un problème central dans ce pays, c'est quand même la question des salaires. Je veux dire, moi, je viens pour dire une chose simple. Les Français doivent pouvoir vivre de leur salaire, de leur travail présent, le salaire, le travail passé, la retraite. Il faut poser ça comme principe. Dans un temps où on a une inflation qui est à 6%, à 16% sur les produits agroalimentaires, la base de tout, c'est se dire, on indexe les salaires sur l'inflation. On fait que les salaires suivent l'inflation, parce que sinon, ce n'est pas possible pour les gens. Et là, Emmanuel, vous ne dites rien, parce que c'est souvent... Enfin, on vous contredit souvent quand vous proposez d'indexer les salaires sur l'inflation, non, parce que ça a déjà eu lieu, ça n'a pas marché. Est-ce que ça peut créer encore plus d'inflation ? La réalité, c'est que déjà, tous les salaires minimums sont de fait indexés sur l'inflation, et que dans les boîtes où vous allez, puisque vous allez souvent sur le terrain, vous voyez bien que, objectivement, les discussions entre les syndicats et les patrons ne se passent pas si mal. C'est-à-dire que vous avez en moyenne 4
4 à 5% d'augmentation de salaire en 2022, vous en aurez autant en 2023. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est assez. Mais je veux dire, dans les entreprises, ça discute quand même. On est à 3% d'augmentation en moyenne par une inflation à 6%. On a des prix qui augmentent deux fois plus vite que les salaires. Maintenant, je vous rejoins sur la question du logement. Je veux dire, si on regarde ce qui a évolué dans la part du budget des ménages, le plus terriblement dans la durée, c'est la part des logements qui gagne et c'est la part de l'alimentaire qui baisse. Donc il y a à se demander comment on fait, mais ça, ça ne va pas se faire en trois mois. C'est-à-dire qu'il y a des thèmes comme ça qu'il faut sortir du marché. Il y a des thèmes qui peuvent pleinement appartenir au marché et il y a des questions sur lesquelles on doit avoir un marché qui est régulé, un marché qui est encadré, et on espère que ça soit la loi de la concurrence, la loi de la concurrence immobilière qui fasse qu'on ait une création de logements et une création de logements ciblés pour ceux qui en ont besoin, à commencer par les logements vacants tous azimuts. Alors avec le Airbnb, avec la multiplication des résidences secondaires dans des zones où ça prime sur les résidences principales, c'est quand même des vraies questions aujourd'hui. François Ruffin, on est curieux de vous entendre dans un instant dialoguer avec les Français, les spectateurs qui sont ici, des vacances et les retraites évidemment. Je reviens au moment décisif qu'on vit demain à 17h40, ce sera en direct évidemment sur BFM TV, édition spéciale présentée par Aurélie Cass ici présente. Je le dis pour vous. Décision du Conseil constitutionnel. Est-ce que tout se joue demain ? Non. Pour moi, ça se joue dans la durée. Et puis, je ne pense pas qu'on puisse laisser le sort d'une réforme comme celle-là entre les mains de neuf sages. Ce n'est pas vrai. Donc, il y a là une déclaration juridique. Est-ce que c'est constitutionnel ? Est-ce que ce n'est pas constitutionnel ? Ça n'enlève rien au fait que ça puisse être illégitime quand des millions de Français se sont multipliés dans la durée. Sauf que le président, si elle est validée, sauf que le président doit la promulguer dans les 15 jours. D'accord, mais lui, il fera ça, peut-être, mais ce n'est pas le dernier mot. Derrière, il va continuer à y avoir des luttes, il y aura peut-être un référendum, et il y aura d'autres élections. C'est une porte de sortie, le référendum ? Ce n'est pas une porte de sortie, c'est au Conseil constitutionnel de décider ça. Constitutionnel valide. Mais en tout cas, moi, je suis très preneur. Je suis très preneur du fait qu'on aille chercher 5 millions de signatures et à vrai dire... Pourquoi il y en a un deuxième, François Ruffin ? On apprend aujourd'hui que la gauche a déposé un deuxième référendum d'initiative partagée. Le Conseil constitutionnel, d'ailleurs, ce soir, dit qu'il l'a reçu. Voilà. Jusqu'ici, tout va bien ou pas ? Pourquoi le premier n'allait pas ? Je crois qu'il n'y avait pas une notion fiscale qui était insuffisante dans le premier RIP qui était adressé au Conseil constitutionnel. Donc demain, le Conseil constitutionnel pourrait invalider la première demande de référendum d'initiative partagée. C'est ce que vous nous dites ce soir. Oui. Maintenant, enfin, là, il y a un rôle. On voit très bien qu'il y a un rôle du Conseil constitutionnel qui ne se limite pas à la Constitution. C'est-à-dire qu'il y a... Est-ce que dans le pays, quelle corde de rappel il va y avoir pour dire à un homme qui est quand même très seul là-haut. Je veux dire, quand ils en sont à dire au Conseil d'orientation des retraites, c'est vous qui faites du mauvais travail, ça va, stop, quoi. Avec qui ils ne sont pas fâchés à la fin ? Il est même fâché, on les voit côte à côte là, mais ils se tournent le dos en même temps, hein, sur l'image que. Parler d'Elisabeth Borne et d'Emmanuel avec Macron. La première ministre. Je veux dire, donc un homme seul qui décide là-haut contre un pays presque tout entier. Moi, chez moi, ce sont les artisans qui étaient contre cette réforme. Mais vous, député France Insoumise de la Somme, est-ce que vous faites confiance au Conseil constitutionnel ? Est-ce que vous respecterez demain la décision du Conseil constitutionnel ? Il y a le volet juridique constitutionnel. Ils viendront dire si c'est conforme ou pas à la Constitution. Il y a quand même des très forts éléments, il faut quand même les signaler, qui plaident pour dire que ça n'est pas conforme à la Constitution. Je rappelle que quand la première fois qu'on a introduit le plan de loi de finances rectificatif de la Sécurité sociale en 1996, c'était très encadré par le rapporteur à l'époque Pierre Mazeaud, donc un homme de droite, qui disait qu'on pouvait rectifier une loi de finances si jamais ça impliquait les finances de l'année. Or là, on voit bien qu'on est parti pour des décennies dans cette direction-là et qu'il pouvait y avoir de la rectification s'il y avait un changement de gouvernement. C'était la première cause. La deuxième cause, c'est si jamais il y avait un dépassement des comptes sociaux que manifestement, ils n'allaient pas du tout dans le bon sens. C'était la deuxième cause. La troisième cause, c'est si jamais il y avait une crise sanitaire majeure. On n'est dans aucun de ces trois cas-là. Donc là, il y a déjà, sur le véhicule législatif qui est choisi, un moyen de dire, après, il faut du courage. Il faut du courage aux sages pour venir balayer la loi dans sa totalité. Mais en tout cas, il y a un argument important pour venir dire que cette loi n'est pas constitutionnelle. Et vous ne faites pas partie de ceux qui, en tout cas, disent c'est un organe politisé. On a pu l'entendre beaucoup à gauche. Sophie Binet de la CGT dit « je crains une décision politique, en fait, plus que fondée en droit ». Moi, je crois, madame, que tout est politique. Je crois que ce n'est pas vrai que le droit, il se tord. Enfin, voilà, il n'y a rien de pur dans ce... Il y a rien de pur dans cette société. Ce qui est conforme ou pas à la Constitution, je pense qu'ils ont le moyen de faire tomber la pièce sur pile ou sur face. Maintenant, je vous le redis, c'est pas... pour moi, il y a
ils vont déclarer que c'est constitutionnel ou que c'est pas constitutionnel, ça n'empêche pas que la légalité est une chose, la légitimité en est une autre. Donc peu importe la décision du Conseil, finalement. Non, c'est pas peu importe. Il est évident que ça va avoir un impact majeur. Si jamais ils disent qu'il y a une porte qui est ouverte avec le référendum d'initiative partagée ou que c'en est fini avec cette loi sur les retraites, mais je le dis, il y a... C'est entaché de légitimité, on le voit bien. C'est entaché de légitimité dans la durée. Ça veut dire qu'il va y avoir des tas de partis politiques qui, dans les prochaines années, vont venir dire, nous, dans notre programme, il y a le retour sur cette réforme-là. Et je vous le dis, ce sont ces partis-là qui vont gagner. Ce sont ces partis-là qui vont gagner. Voilà, aujourd'hui... Pardon, mais vous le direz aussi. Mais bien sûr qu'on le dira. Bien sûr que nous le dirons. Et je pense que ça fera partie des choses qui vont être un marqueur important pour les Français. Qu'est-ce qui se passe dans la durée sur le plan politique? Il se passe... un effondrement, un effritement du bloc libéral central. La question, c'est les particules qui décrochent aujourd'hui de ce bloc libéral central, où est-ce qu'elles vont? Est-ce qu'elles basculent à l'extrême droite dans un programme autoritaire ou est-ce qu'elles basculent à gauche dans un programme progressiste? La bataille, elle est là. La bataille, elle est là. Il y a une image qu'on voulait vous montrer ce soir. On l'a évoqué tout à l'heure avec Amandine, vous l'avez évoqué rapidement. C'est ce Conseil constitutionnel protégé tout à l'heure par des rangs de CRS ou de gendarmes mobiles. Cette image-là, qu'est-ce qu'elle raconte pour vous du moment décisif que nous vivons? Je ne sais pas si bientôt ils vont envoyer les casques bleus de l'ONU en France, quoi. Qu'est-ce que ça dit d'une démocratie qui doit déployer cette force-là devant le Conseil constitutionnel? Ça monte un grand état de tension, la société. Et moi, je ne viens pas m'en réjouir. Moi, je viens demander qu'on retrouve le chemin de l'apaisement. Mais les moyens de l'apaisement, ils sont entre les mains du pouvoir. Ça peut vouloir dire, pardon, aussi qu'en face, il y a de la violence. Mais je dis qu'il y a, il y a une tension qui est évidente aujourd'hui dans le pays. Donc c'est comment on sort de cette tension-là? Comment on apaise le pays? Quel message? Le message le plus simple qui aurait été envoyé par le président de la République, c'était de dire, voilà, j'abandonne cette réforme et je passe à autre chose. On voit là, il y a un rapport sur les 1000 premiers jours qui vient de paraître, enfin sur les crèches, vous savez, où il y a de la maltraitance. Il y avait une enquête, normalement, on aurait dû avoir un programme sur comment on fait au début de la vie et à la fin de la vie. Vous savez, moi, j'avais proposé tout un projet sur les métiers du lien au fil de l'existence, sur donc les assistantes maternelles au début, les accompagnantes d'enfants en situation de handicap, les auxiliaires de vie sociale. Enfin, comment ça se fait que dans tous ces métiers-là, les ATSEM et ainsi de suite, il y a les femmes qui, parce que ce sont des femmes qui massivement exercent ces métiers, comment ça se fait qu'elles sont maltraitées? Sur le terrain des salaires et sur le terrain des horaires? Et je pense que ça, c'était par exemple un fil pour réparer le pays. Pour réparer le pays politiquement avec des classes populaires qui travaillent, mais qui se voient méprisées dans leur travail. Et pour réparer le pays aussi. Mais en attendant, il y a ce bras de fer qui va continuer. On comprend bien quand on vous entend, mais combien de temps? Combien de temps les Français vont pouvoir continuer à faire grève et à manifester? Laurent Berger lui-même dit on ne pourra pas encore tenir 6 mois. Je ne suis pas responsable syndical. Si vous voulez recevoir Sophie Binet ou Laurent Berger, vous le ferez. Vous voyez, moi, je ne suis pas responsable syndical. En revanche, ma responsabilité est de dire à tout mouvement social, qu'il soit vainqueur ou vaincu, il faut offrir un débouché politique. Mai 68, c'est mai 81. Décembre 95, c'est la gauche plurielle 1997. 2010, les grèves contre les retraites sous Sarkozy, ça débouche sur 2012 Hollande. Ça ne veut pas dire que je plébiscite tous les débouchés politiques qu'il y a pu y avoir. Mais nous devons maintenant construire un débouché politique qui fait que, naturellement, je pense à ces centaines de personnes qui se sont manifestées à Friville-Escarbotin. Vous voyez, il faut dire ce qui s'est passé de puissant dans ce mouvement. Donc la suite ne se joue pas dans la rue, c'est ce que vous dites. Le prochain agenda sera politique, ce sera la prochaine présidentielle. Moi, je ne déconnecte jamais la rue et les urnes. Donc il y a un lien entre la rue et les urnes. Maintenant, je ne suis pas maître de la rue. Ce sont les syndicats qui ont la main là-dessus. Mais en revanche, je dis, nous devons construire un chemin d'espérance qui fait que les 300-400 personnes qui se sont réunies à Friville-Escarbotin, mais à Albert, à Péronne, enfin dans des bleds, d'habitude, il n'y a pas grand-chose qui bouge, mais c'est partout. En France, ça a bougé de cette manière-là. Ils se disent, non seulement je retrouve le chemin de la gauche, mais en plus, je vais porter ce programme-là dans mon coin. François Ruffin, vous nous avez dit à plusieurs reprises que vous étiez inquiet du climat dans le pays. Est-ce que vous, pas vous, mais collectivement, votre groupe politique n'avait pas contribué à cette hystérisation à la fois de ce qui s'est passé à l'Assemblée et accentué la tension dans le pays? Je crois que c'est vraiment pas comprendre ce qui se passe dans le pays, monsieur Jeudy. Ça ne veut pas dire que tout ce qui a été fait à l'Assemblée nationale est parfait. Vous connaissez le discours critique que je peux avoir vis-à-vis de ce qu'on fait. Mais en revanche, ce n'est pas comprendre ce qui se passe. Je veux dire que les gens, ils n'ont pas été le nez sur l'Assemblée nationale pour se dire « Ah, il faut qu'on s'énerve ». Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas du tout ça qui s'est passé. Je veux dire, mesurer la colère des gens
quand ils sont en situation d'usure dans une boîte, j'ai en tête les gens de chez Mersenne, par exemple, dans mon coin, chez moi, qui se disent « mais bon sang, on fait des gestes répétitifs pour la journée ». Ils me décrivent leur travail. Vous savez, je fais décrire les postures dans lesquelles ils se trouvent. Tout ça, c'est pas compris dans le compte de pénibilité. On a des copains qui se font virer avant 60 ans pour inaptitude et on leur propose aucun remplacement dans l'entreprise. Et pourtant, à l'arrivée, on va nous dire qu'il faut aller jusqu'à 64 ans. Mais là, vous parlez des Français. Bah vous nous parlez de l'attitude des responsables politiques de gauche. Ce que je vous dis, parce qu'il dit, finalement, c'est par effet miroir que les Français se sont énervés, parce qu'ils voient... Non, ils avaient contribué. Non, mais je crois pas du tout que ça ait cet impact-là. Ça veut pas dire que je suis heureux de tout ce qui s'est passé, d'accord? Oui, non, mais vous l'avez dit plusieurs fois. En revanche, je vous dis, faut pas croire que c'est par mimétisme des responsables politiques. Aujourd'hui même, je veux dire, on est en deçà de la colère éprouvée dans leur cœur par les Français qui travaillent dans des conditions, je dis, la France qui se lève tôt, qui va au boulot, qui a mal au dos, voilà. Et cette France-là, aujourd'hui, elle se sent méprisée, elle se sent humiliée, elle se sent écrasée. Et alors, il y a ceux qui se résignent, et franchement, c'est pas le meilleur des chemins, et il y a ceux qui éprouvent une forme de révolte, vous voyez. Et donc, il faut comprendre qu'il y a ça très profondément aujourd'hui ancré dans le pays. Et pour moi, la résignation n'est pas le meilleur des chemins. C'est comment on fait pour passer de la résignation à l'espérance? Comment on fait pour passer de l'individu au collectif? Pardon. Comment vous construisez des débouchés politiques si, par exemple, plusieurs responsables de gauche ne veulent pas voir Elisabeth Borne, si le dialogue est rompu, s'il n'y a plus de discussion à la fin, chacun reste dans son coin? Non, mais c'est pas avec Elisabeth Borne que se construit un débouché politique aujourd'hui. Vous voyez, on peut avoir des débats dans l'hémicycle, on continuera de les avoir. S'ils nous amènent un projet vraiment appétissant, et s'ils ne veulent pas nous balader avec des cacahuètes, je ne sais pas si vous avez vu, là, en ce moment, ils nous font un projet de loi bien vieillir. L'enseigne lumineuse sur la devanture, elle est très jolie. Derrière, tout le monde dit qu'il n'y a rien dedans, y compris la rapporteure En Marche dit qu'il n'y a rien à l'intérieur de ça. Et pourtant, il nous faudrait un vrai projet de loi grand âge, à la fois pour les personnes âgées, dont on a vu à travers le scandale Orpea comment elles pouvaient être maltraitées, mais il nous faut aussi un projet de loi grand âge pour tous les salariés de ces secteurs-là. Moi, tous les salariés des auxiliaires de vie sociale qui passent au domicile, qui demandent à simplement avoir des horaires pas de 8h du matin à 8h du soir, avec des journées à trous, et à la fin avec des salaires de miettes. Voilà. Et là, il n'y a rien de proposé. Croyez-moi que pendant les 5 années que j'ai passées dans le mandat précédent, chaque fois qu'il y a eu quelque chose que je trouvais positif pour les Français, je le prenais. Mais maintenant, il s'agit de passer à quelque chose d'ambitieux. Mais justement, François Ruffin, il y a une fenêtre qui est en train de se refermer et dont vous aviez profité. C'était l'argent pas cher, les taux d'intérêt nuls, la dette publique qu'on pouvait augmenter pendant le Covid, etc. Parce que derrière, il y avait un financement particulier. Là, c'est terminé, les taux d'intérêt ont remonté, etc. Et donc, est-ce que vous pensez qu'on est toujours dans ce même monde d'argent facile qui était celui du programme de Jean-Luc Mélenchon et qui le rendait presque crédible à la limite? Est-ce que vous pensez qu'on a encore les moyens de dépenser largement quand le FMI dit la France est le seul pays qui ne tient pas ses finances publiques finalement? Moi, je veux être sérieux sur les finances publiques. Je veux être sérieux, par exemple, sur le déficit commercial de la France. Quand je vois que le déficit commercial de la France est de 164 milliards d'euros, la première chose à se résoudre dans ce pays, c'est pas qu'est-ce qui va arriver avec le déficit de retraite à hauteur de 12 milliards d'euros demain, c'est qu'est-ce qui se passe avec ces 164 milliards d'euros aujourd'hui. Or, je n'entends pas le gouvernement parler. Je vois Emmanuel Macron aller en Chine, qui est quand même le pays avec lequel on a le plus de déficit commercial, c'est un quart de notre déficit commercial, 35 milliards d'euros. Et il n'y a pas de discussion avec la Chine pour savoir comment on va résoudre notre déficit commercial. Mais ça veut dire, ce dont je parle là en termes de chiffres, ça veut dire des choses très concrètes pour les Français. Ça veut dire, là on n'a plus de pilules abortives dans un certain nombre de pharmacies. On a perdu notre savoir-faire en matière de médicaments. Comment on le rapatrie? La semaine dernière, j'étais dans l'usine qui s'appelle Eurolysine, sur la zone industrielle d'Amiens, qui est fabriquée la totalité d'une molécule, la lysine, un acide aminé qui sert pour nourrir les volailles, mais qui sert aussi dans la pharmacie, qui avait 100% du marché européen. Maintenant, c'est 85% aux Chinois, il leur reste 15%. On a mis à bas les droits de douane, à hauteur de 6%, ils ont été démolis, et ça sera bientôt 100% du marché qui sera dévolu aux Chinois. Donc la question, je veux la prendre au sérieux, monsieur Hochy, pour la question que vous posez. Mais la première question à se poser, c'est celle du déficit commercial. Le deuxième point, c'est sur l'énergie, sur le déficit commercial. Comment on fait pour plus avoir une facture d'énergie à cette hauteur-là? Là, 80 milliards d'euros de déficit commercial sur l'énergie. La première chose à faire, ça fait 5 ans que je le dis, moi, en commission des affaires économiques. Investissons sur la rénovation thermique des bâtiments.
Pourquoi ? Parce que ça va être gagnant, 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 gagnant. Ça va être gagnant sur les factures des gens, ça va être gagnant sur l'emploi local, ça va être gagnant pour la planète, ça va être gagnant sur la santé, parce que si on a des ménages avec des personnes avec de l'humidité, ça nuit à la santé des gens, et ça va être gagnant sur l'indépendance nationale. Donc faisons ça pour gagner sur le plan du déficit commercial. Vous savez, au rythme où on va, sur les passoires thermiques... Et ensuite, il faut qu'on vienne en retraite au dialogue avec les Français. Au rythme où on va sur les passoires thermiques, là, on en a pour 2000 ans. À éliminer les passoires thermiques. Et pourtant, mais pourquoi vous n'êtes pas plus ambitieux? Manuel, les chiffres. On vous dit qu'il y a dialogue avec les Français. Non, moi, ce que je veux, je l'ai déjà dit, c'est Roosevelt 1942. C'est comment on fait pour. Donc, il entre en guerre aux États-Unis en se demandant comment je fais pour mettre les capitaux, la main-d'œuvre, les savoir-faire, l'intelligence du pays au service d'une cause qui est l'économie de guerre. Aujourd'hui, on devrait faire la même chose, mettre les intelligences, les savoir-faire, les capitaux, l'énergie au service d'une cause, l'économie de guerre climatique. Je veux qu'on se dirige ensemble là-dessus. Et vous savez, c'est lié aux retraites pour moi, tout ça. Je vous dis pourquoi c'est lié aux retraites. Parce que moi, ce qui me navre le plus là-dedans, c'est le gâchis, l'immense gâchis. On devrait être en train de se demander comment on fait pour remettre sur pied l'école. On a un hôpital en lambeaux, comment on fait pour le remettre sur pied? On a un rail qui déraille, comment on fait pour le remettre sur pied? On va avoir des sécheresses à affronter, comment on fait? Et on devrait se retrousser les manches ensemble, côte à côte, pour faire ça. Et à la place, on a mis les brandons de la discorde dans le pays, on a créé de la désunion et de la division. C'est pas le chemin qu'il nous faut. François Ruffin, revenir sur un bon chemin. Il faut que vous dialoguiez avec les Français qui sont dans ce studio ce soir. J'y vais, Aurélie Casse. Je vais retrouver ceux qui sont avec nous ce soir. Je vais aller me faufiler dans le public. Je ne sais pas qui veut poser la première question à François Ruffin parmi ceux qui sont autour de moi ce soir. Non, pardon, c'est pas très. Je suis obligé de vous pousser, je suis désolé. Qui veut poser la première question? Stéphanie, est-ce que vous voulez poser la première question à François Ruffin? Je vous présente rapidement. Vous avez deux instituts de beauté. Vous êtes clairement pour la réforme des retraites. Je peux dire ça comme ça. Quelle question vous avez envie de poser ce soir à François Ruffin après l'avoir entendu pendant cette première demi-heure? Alors, je vais revenir à des fondamentaux très basiques. En tant que commerçante, je pars pour les commerçants, les artisans, notamment parisiens, enfin dans les grandes villes. On souffre beaucoup de toutes ces manifestations, ces grèves. Ça perturbe beaucoup le commerce. Alors, j'aurais une question à vous poser. Rien que là-dessus, peut-être que François Ruffin peut vous répondre là-dessus. Le fait, François Ruffin, qu'après trois mois de manifestations, trois mois de manifestations qui ont parfois été rudes et qui ont effectivement encore perturbé, notamment le commerce, un certain nombre de secteurs économiques, est-ce qu'il n'est pas temps, je ne sais pas ce que vous en pensez, Stéphanie, mais est-ce qu'il n'est pas temps aussi que ça aussi, ça s'arrête pour l'économie du pays? Il n'y a pas de doute et j'aurais préféré que ça ne démarre pas. J'aurais préféré que les gens, ils n'aient pas faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 manifestations pour être entendus. Voilà. J'aurais préféré, parce que vous dites souffrir, madame, et je le comprends parfaitement. Mais les gens qui font grève aujourd'hui, moi, je ne vois pas de gens qui font grève par plaisir. D'abord, les gens aiment leur travail. Parfois et souvent, ils n'aiment pas la manière dont on leur fait faire leur travail. Mais ils aiment leur travail. Et ils préféraient travailler, ils préféraient être payés sur ces journées-là. Je connais personne qui a perdu 12 journées de salaire avec la joie et la bonne humeur. Donc là, aujourd'hui, en effet, moi, je souhaite qu'on sorte de cette tanière, qu'on sorte de cette impasse. Mais je le dis, c'est le président qui a la main sur l'apaisement de ça. Madame, j'entends que vous êtes pour cette réforme. Je veux juste vous demander si vous êtes pour cette réforme dans ce tempo-ci, c'est-à-dire est-ce que vous dites... de ce que vous percevez de votre entourage et tout ça, est-ce que vous vous dites, après deux années de crise Covid, après ce que les Français ont traversé, c'était le moment de faire ça ou pas? Et est-ce que vous vous dites, je vous pose des questions très ouvertes, hein, madame, si vous permettez, est-ce que vous vous dites, compte tenu de l'opposition qu'il y a dans le pays, de sondages qui disent quand même que 2/3 des Français, 4/5 des salariés demeurent hostiles à cette réforme, est-ce que vous dites, dans ces conditions-là, même si moi je suis pour, je considère qu'il faudrait mettre un peu de tempérance, un peu de modération et pas passer en force sur le corps social? Là, on est en train d'essayer de passer en force. Enfin, on voit bien que le mouvement s'essouffle, hein, heureusement pour nous.
Mais moi, je vois les employés souffrir, qui viennent travailler sur Paris, qui prennent les transports, qui prennent les transports à des heures pas possibles le matin pour rentrer le soir. Enfin, c'est infernal. C'est honteux de leur faire subir ça. C'est difficile, c'est très difficile. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Mais moi, je suis pour que ça cesse, hein, que les choses soient claires. Maintenant, non, mais si, il n'y a pas de doute. Maintenant, entendez l'autre souffrance aussi. C'est les gens qui vont partir avec 2 années de plus au bout. Il y a une souffrance et une souffrance dans le monde du travail aujourd'hui qui est là. Et quelque part, ce refus aussi massif de prolonger de 2 ans vient dire cette souffrance au travail. Sachant que moi, je dis toujours, le travail doit être l'effort et le réconfort. C'est pas seulement, tout se passe pas forcément dans la joie et la bonne humeur. Mais aujourd'hui, il y a, je vous donne des stats comme ça parce que je les ai vus être incarnés. Mais on pourrait penser qu'après 40 ans d'automatisation, de robotisation, de numérisation de la société, la pénibilité a reculé. Or, d'après la DARES, d'après le ministère des Affaires sociales, la contrainte physique est passée de 12% des salariés à 34% des salariés, ça a triplé. Et les contraintes psychiques sont passées de 6% des salariés à 35% des salariés. Donc là, il y a une souffrance, puisque vous prononcez le mot souffrance, il y a une souffrance qui est inscrite profondément dans le monde du travail et dont il s'agit aujourd'hui de se demander comment on fait pour en sortir. Comment on fait pour en sortir avec les chefs d'entreprise? Comment on fait pour en sortir avec le ministère du Travail? Comment on fait pour en sortir ensemble et pour que les gens qui aiment leur travail, soient heureux de le faire. Stéphanie, je vous reprends le micro, pardon, parce que ce que vous venez de dire a fait réagir juste à côté de moi une autre Stéphanie. Bonsoir Stéphanie, bonsoir. Vous êtes prof. Oui. CGT ? Affiliée à la CGT ? Oui. Affiliée à la CGT ? Contre la réforme. Alors, vous avez réagi tout de suite quand l'autre Stéphanie qui est à ma droite disait le mouvement s'essouffle, et vous aviez aussi une question pour François Ruffin. Oui. Au risque de vous décevoir, le mouvement ne s'essouffle pas. Il se diversifie, il s'étend, par exemple, moi, je suis enseignante en grève reconductible pendant un moment, j'ai repris le travail parce que voilà, mes élèves ont besoin d'avoir des cours aussi. Mais je me suis beaucoup engagée, par exemple, à la Tiru d'ici, où j'ai rencontré d'ailleurs M. Ruffin. C'est l'incinérateur d'ici les Moulins. D'accord. Et là, on peut observer une interprofessionnelle, une intersectionnelle aussi, et une grève qui est tournante. Vous dites que le mouvement ne s'essouffle pas. On voit que les chiffres, tout de même, sont en train de baisser, mais vous pourrez dialoguer tout à l'heure tous ensemble sur le plateau. Est-ce que vous avez de mobilisation les jours de grandes manifestations. Et là, je reviens aussi à ce qu'on disait. C'est fatigant, c'est dur la grève, c'est très, très difficile, c'est beaucoup de sacrifices. C'est beaucoup de fatigue. Donc oui, les gens sont fatigués. Mais les gens qui sont allés jusque-là, il ne faut quand même pas oublier que ça fait 3 mois que ça dure. Ça fait 3 mois, c'est un mouvement historique. On n'a jamais vu une unité syndicale pareille. On n'a jamais vu, de mon expérience à moi, j'ai jamais vu une interprofessionnelle pareille. Quelle est votre question à François Ruffin, Stéphanie? Je vous presse un peu. Oui, ma question à François Ruffin, alors j'en ai pas vraiment, je suis totalement d'accord avec ce que dit M. Ruffin. Vous pouvez malgré tout l'interroger. Vous aviez une question sur le débouché politique de tout ça. Parce qu'en effet, tout ça est politique, en effet. Et quel espoir la gauche peut nous donner? On a encore 4 ans. En même temps, une véritable démocratie, c'est pas, on vote pas une fois tous les 5 ans et c'est terminé. Une des véritables démocraties, c'est le peuple aussi. C'est la voix du peuple. Mais ça, il en est bien conscient, M. Ruffin. Donc, quelle stratégie vous comptez mettre en place, même s'il ne s'agit pas forcément de dévoiler des... Mais voilà, quelle stratégie pour gagner et pour faire reculer le Front National? Alors, dans ce que vous avez dit, je me souviens d'un gilet jaune sur lequel il était inscrit « Faire à l'amour une fois tous les 5 ans, ça n'est pas une vie sexuelle. Voter une fois tous les 5 ans, ça n'est pas une vie démocratique. » Et je pense que c'est une expression de ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est-à-dire quel est le moyen qu'a le peuple d'intervenir dans la vie politique pour pas que ça lui passe au-dessus quand il a envie d'avoir prise là-dessus et que finalement, il ne trouve pas le levier. Donc, et c'est vrai que moi, j'aurais souhaité qu'on sorte du mouvement des Gilets jaunes avec une conquête démocratique qui était le référendum d'initiative citoyenne qui aurait permis qu'on n'ait pas à attendre la décision demain des 9 sages du Conseil constitutionnel pour avoir un outil. Et c'est pas révolutionnaire, c'est faire ce que fait la Suisse, en gros. Donc, soyons aussi révolutionnaires que les Suisses.
Pardon ? Vous voudriez faire des votations. Les cavaliers des votations, voilà. Mais pour prolonger sa question, comment vous expliquez le fait que quand on regarde les sondages, je sais qu'il faut toujours se méfier des sondages, c'est une photographie à un instant T quand même. Le dernier sondage de Bernard Sananès montrait que si l'élection avait lieu demain, c'est à Marine Le Pen que ça profiterait, que cette crise profiterait. C'est elle qui pourrait gagner la présidentielle aujourd'hui, pas vous. Ben, je pense, bon, d'abord, la messe n'est pas dite. Hein, je vous l'aurais dit, il n'y a pas de fatalité dans tout ça. Et moi, je viens ici pour retrousser les manches et pour combattre. Maintenant, il y a une pente qui est prise qui fait que les gens se saisissent du plus gros bâton, et celui qui apparaît comme le plus gros bâton aujourd'hui, c'est le Rassemblement national. Il faut inverser ça. Il y a une bataille qui a mené là-dessus. Il y a une bataille, on doit s'interroger sur... Pourquoi ? Je pense, parce que, je le dis, la pente, elle va dans ce sens-là. Donc nous, on a un travail à faire, contre cette pente-là, et qui est de venir dire aux gens, simplement, là, aujourd'hui, d'abord, le Rassemblement national, quand est-ce qu'il a porté des conquêtes aux salariés dans notre pays ? Ou bien, je veux dire, l'extrême droite. De quand il y a eu une conquête sociale qui est venue de ce côté-là? Jamais ça s'est produit. Toutes les conquêtes de notre pays, les congés payés, la sécurité sociale, les retraites et ainsi de suite, elles sont venues de la gauche, elles ne sont pas venues de l'extrême droite. Donc il y a un travail à opérer, on a un outil, puisque la gauche est rassemblée, il faut en profiter, on a un outil qui fait qu'on a du travail devant nous, parce qu'on part de loin. Parce que quand la gauche a signifié Hollande, puis Emmanuel Macron sur le trône, c'est quand même un sacré handicap, un sacré boulet qu'on a au pied. Donc il y a une pente qui a remonté de cette nature-là. François Ruffin, tout le monde va vous poser des questions désormais. Tous ceux qui sont autour de moi. Je vais laisser d'abord Sébastien vous poser la question, parce qu'il y a certains mots que vous avez prononcés tout à l'heure qui le font réagir ce soir. Et puis on va forcément reparler aussi de 2027. Bonsoir Monsieur Ruffin. Bonsoir. C'était intéressant parce qu'en fait, moi je ne partage pas complètement vos idées, mais ça c'est pas le problème, on est là pour débattre. Ce qui m'intéresse, c'est tout à l'heure, vous avez parlé justement de la méthode Macron, effectivement. Et je pense que là, même s'il y a des avis divergents, tout le monde est d'accord sur cette méthode qui a été assez lamentable, qu'on soit pour ou qu'on soit contre cette réforme d'ailleurs. La seule chose, c'est que vous avez proposé, vous avez dit, les Français ont besoin de câlins. De tendresse. Okay. Pas les câlins. Ok, pourquoi pas. Vous les prendrez tous dans les bras, ça va prendre un certain temps. Mais ok, ça c'est bien. Emmanuel Le Chypre a rebondi tout de suite dessus en disant... Mais quand ils rentrent de vacances, il se passe quoi? Et c'est vrai que nous, sur le terrain, moi, je suis un petit chef d'entreprise et je me rends compte que la plupart de mes collaborateurs, le vrai problème, et vous en avez parlé tout à l'heure, c'est mettre de l'essence, c'est se chauffer. Parce qu'aujourd'hui, se chauffer est devenu un luxe pour énormément de gens. Donc une fois que vous aurez offert une semaine dans un camping à un endroit ou ailleurs, qu'est-ce qui va se passer pour les Français? Qu'est-ce que vous proposez? Puisque Mélenchon, entre guillemets, aujourd'hui, vous a en partie adoubé pour potentiellement... Vous comprenez ce que je veux dire. Vous mettrez le mot que vous préférez. Mais pour en tout cas éventuellement incarner son mouvement peut-être pour la présidentielle. Donc au-delà de cette semaine de vacances ou de ces 15 jours, quelle est justement la place du travail et donc des retraites derrière que vous allez effectivement mettre en place? C'est ça ma question. Alors, que les choses soient claires, hein, je parle quand même d'abord des conditions matérielles d'existence que... De par mon métier et là où je me trouve, je connais très bien et parfois trop bien des salariés de ce pays. Donc il y a une chose à régler, c'est les salaires. Les Français doivent pouvoir vivre de leur travail. Ça relève de l'évidence. Et avec une fierté, je veux dire, les gens sont fiers de gagner leur vie. Maintenant, il y a aussi à côté un droit au repos et les deux doivent se conjuguer. Voilà. Donc là, je veux dire que c'est la première chose. On doit poser ça. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de métiers où aujourd'hui ça va pas de soi. Je parlais des auxiliaires de vie sociale, je peux parler des femmes de ménage. Il y a un tas de métiers comme ça où les gens ont beau travailler, ont beau cumuler les contrats, ils demeurent quand même à la fin en dessous du seuil de pauvreté. Ben là, il y a quand même quelque chose à régler. Ça veut dire la limitation des temps partiels, ça veut dire un certain nombre de règles qui sont à mettre dans ces métiers-là. Donc, et ensuite, vous parlez de se chauffer. J'y suis très sensible. Les factures d'électricité aujourd'hui, enfin, c'est absolument une aberration. C'est une aberration. Qu'est-ce qui se passe? Alors que le coût du kilowattheure sorti des centrales nucléaires, il n'a pas augmenté, lui. Hein. Mais, on est d'accord. Il n'a pas augmenté. Mais... Le politique a un levier. Par exemple, de désindexer l'électricité avec le gaz, il y aurait des choses à faire. Si vous le dites à ma place. Non, mais je rappelle que vous n'étiez pas d'accord au départ de cette conversation. Non, mais j'ai dit qu'il y avait des choses, on avait des points de convergence, justement. Là, mais c'est ça qui est intéressant. On a une folie complète. On a une folie complète, puisqu'il a fallu, dans des univers où il n'y avait pas de concurrence, vous savez, on a des dogmatiques qui sont à la tête du pays. On le voit là, pour moi, on a un jusqu'au boutiste à l'Élysée. Je me permets juste de vous interrompre sur ça, parce que ce qui est intéressant, c'est que je trouve qu'il y a une vision comptable
en permanence faite par Macron, mais d'autres technocrates. Hein. Il n'y a pas que lui, d'ailleurs. Et ce qui est très intéressant chez les politiques, c'est qu'au départ, on emmène un peuple avec un projet, une forme d'utopie au départ. C'est là-dessus qu'on emmène les gens. Et pas uniquement, on va rendre gratuit ça, on va vous faire un chèque de ça. La plupart des gens, ils ont effectivement, et je vous rejoins, envie de vivre de leur travail. Mais par exemple, quand vous dites, on va indexer, moi je suis pour, vous dites, indexer les salaires, par exemple, sur l'inflation. Moi, en tant que chef d'entreprise, ça ne me pose aucun problème. Au niveau du Cortex, j'ai pas de problème. De me dire, bien sûr, on peut le faire, si on peut le faire. Mais aujourd'hui, par exemple, les situations de certaines entreprises, dont la mienne, qui ne sont pas catastrophiques, mais on ne pourrait pas appliquer ça. Or, je pense aussi que beaucoup de gens ont envie de vivre de leur travail, et pas forcément qu'on leur fasse aussi des chèques. Je ne parle pas de l'entreprise, hein, je parle des pouvoirs publics. Oui, mais enfin, justement, le remplacement aujourd'hui des chèques par des primes, des aides, enfin, tous azimuts, il faut en finir avec ça. Il faut que les gens vivent de leur salaire et pas d'aumônes successives. Donc, du coup, pour les petites entreprises, se pose la question de la justice fiscale. Je rappelle quand même qu'il y a des grands mouvements qui sont nés dans notre pays sur des questions de justice fiscale. La Révolution française, le point de départ, c'est qui paye les impôts. Est-ce qu'il n'y a que le tiers-État qui doit être en charge de ça, ou bien est-ce que le clergé et la noblesse doivent en payer leur part? Bon, mais même la crise des Gilets jaunes, c'est une crise sur le prix du gasoil, mais c'est une crise fiscale au départ, qui devient une crise sociale, puis une crise démocratique. Je pense que quand on prend la situation des chefs d'entreprise, se pose la question de la justice fiscale dans ce pays. Parce que comment ça se fait que les TPE-PME sont taxés à hauteur de 24%, que les entreprises du CAC 40, en moyenne, elles vont être à 4%, et qu'on a Total qui va réussir à payer 0% d'impôt sur les sociétés? C'est l'optimisation fiscale qu'une petite entreprise, effectivement, c'est impossible pour elle de toute manière de la faire, quand bien même elle souhaiterait le faire. Et ce qui est vrai pour les entreprises avec les petits payent gros et les gros payent petits, est vrai aussi au niveau des individus. Puisqu'on va avoir une taxation des grandes fortunes de ce pays qui, en pourcentage, va être inférieure à ce que moi ou vous, vous pouvez payer en tant qu'individu. Pourquoi? Parce que, alors je ne vais pas faire un cours, je ne vais pas remplacer Emmanuel Le Chip, mais il y a eu un déplacement des bases fiscales. C'est-à-dire qu'auparavant, c'était ce qui était mobile qui était taxé. L'impôt sur les sociétés était de 50% au milieu des années 80. Aujourd'hui, on est passé comme taux affiché à 25%, et je vous l'ai dit, Total est à 0%. Donc, et ça s'est déplacé vers les bases immobiles. C'est-à-dire, vous n'allez pas aller situer le siège de votre entreprise au Luxembourg, aux Bahamas, non, aux îles Caïmans. Et vous-même, vous n'allez pas déménager en Andorre pour avoir une meilleure fiscalité. Donc là, se pose la question de sur qui repose l'impôt. Et je pense que c'est la première des questions, en fait, qu'on aura à affronter sur le terrain comptable quand nous serons à l'Élysée et dans les ministères. Ça sera la question de qui doit payer l'impôt. Et il est évident qu'il doit y avoir un mouvement vers davantage de justice fiscale dans ce pays. Il y a quand même un problème de cohérence. Je ne voudrais pas gâcher l'ambiance. Mais vous ne pouvez dire d'un côté, on a un déficit commercial colossal, il faut retrouver d'une certaine façon la compétitivité et appliquer la politique qui nous a ruinés dans les années 70, qui était d'augmenter les salaires au même rythme que l'inflation, etc. Et on voit très bien où ça nous amenait. Donc ça n'est pas le chemin. Enfin, je veux dire, vous ne pouvez pas dire à la fois il faut augmenter le coût du travail et à la fois dire il faut être compétitif. Ce n'est pas possible. Eh bien, monsieur Le Chypre, je le dis. Mais ça ne s'est produit nulle part, mais jamais. Je le dis, et je vais vous expliquer brièvement, et j'espère que nous aurons une conversation plus longue sur comment on résolve le déficit commercial. Vous prenez une recette qui finalement est vieille, mais il faut dire que dans tout ce débat, toutes ces questions qu'on a là, on a affaire à au fond, ce qui est le mouvement le plus profond dans les têtes de Français, c'est que je pense qu'il y a un détachement des mots de l'idéologie dominante, c'est-à-dire concurrence, compétitivité, mondialisation, ces mots qui étaient l'alpha et l'oméga des dirigeants dans les années 80, maintenant, ils ne suscitent plus que de l'inquiétude, de l'angoisse. Donc il y a un détachement de ça. Donc vous reprenez ce vocabulaire-là sans vous faire offense, monsieur Le Chip, mais quand vous dites compétitivité, est-ce que vous pensez que c'est en continuant à diminuer les salaires? Est-ce que c'est en continuant à diminuer les normes environnementales? Est-ce que c'est en continuant à diminuer les normes fiscales qu'on va être compétitif avec la Chine sur la molécule que je citais tout à l'heure, la lysine? Je vous interroge. Ah non. Moi ce que mais François, moi ce que je vous dis c'est que vous ne pourrez pas être Bruno a dit que vous avez séché. Je pensais que vous alliez continuer parce que c'est pas une question rhétorique. Moi je vais apporter ma réponse. Mais moi ce que je vous dis c'est que si vous voulez qu'on s'en sorte, il va falloir arrêter, si vous voulez, de vendre des produits à des prix allemands avec une qualité de produits espagnols, et que il va falloir faire de la recherche, il va falloir faire de l'innovation, et c'est pas qu'en pensant qu'on va rapatrier des productions de vieux produits chez nous
nous qu'on s'en sortira. Donc il va falloir aller sur des produits nouveaux, tout ce qui concerne les technologies vertes, etc. Très bien. Mais ça, c'est pas en faisant fuir les entreprises et les chefs d'entreprise que vous allez. Mais si, parce qu'avec votre fiscalité, c'est ce qui va se passer. Vous voulez que je vous dise, par exemple, sous François Hollande, ce qui s'est passé avec ces menaces de fiscalité à 75%, etc. Vous avez le nombre de créateurs d'entreprises, le nombre de gens qui gagnent beaucoup d'argent, qui sont partis à l'étranger, a triplé. A triplé. Si vous prenez 2012-2016, le nombre de créateurs d'entreprises, de richesses, d'emplois, de payeurs de taxes, de cotisations sociales, a triplé par rapport à la période précédente. Donc, vous voyez bien que, moi, je veux bien que, Je vais vous apporter la réponse, si ça ne vous dérange pas, monsieur Chip. Ah, bah, je sais pas, vous me reprochez de ne pas parler. Ah bon? Qui vous a fait ce reproche? Comment on résout le déficit commercial? Il y a deux solutions. Soit on vise à exporter davantage et donc il nous faut de la compétitivité et donc il nous faut baisser les normes fiscales, sociales, environnementales. C'est ce qu'on fait depuis 40 ans avec un échec chronique. Soit on se dit notre objectif est d'importer moins. Et c'est là ce qui devrait être la clé du problème. Sur par exemple la molécule que j'ai citée tout à l'heure, l'aline, si on veut garder une certaine autonomie, si au moins on veut garder une base industrielle là-dessus, si on veut garder un certain savoir-faire qui fait qu'en cas de problème, on est encore capable de la produire. C'est pas en alignant les salaires des ouvriers de Picardie sur ceux de Shanghai qu'on va s'en sortir. C'est en se disant qu'il y a à rétablir une certaine protection aux frontières de l'Union européenne qui fait qu'on va modérer un libre-échange qui est devenu complètement fou. Voilà une option. Et je pense que cette option, elle doit être maintenant être posée sur la table. Donc il s'agit... Vous savez très bien, c'est le consommateur qui paye à la fin. Mais non, je ne suis pas du tout d'accord. On refera une émission, ce sera le Chypre face à Ruffin. Promis. Non, mais je pense qu'on fera un concept. Je suis preneur. Non, ça peut être intéressant. Mais on va retourner voir nos Français. Oui, absolument. Et je voudrais donner la parole à Jérémy. Jérémy, qu'on a déjà croisé sur les plateaux de BFM TV. Vous êtes boulanger. Vous étiez venu nous voir au moment où, effectivement, il y avait tous les problèmes d'inflation. Il se trouve que votre boulangerie va fermer. Je voulais que vous nous racontiez pourquoi, en deux mots, et évidemment poser une question à François Ruffin ce soir. Merci beaucoup. Je vais commencer par ma question à Monsieur Ruffin. Êtes-vous ici pour défendre vos intérêts ou l'intérêt des Français? Alors mon intérêt, est-ce que vous pourriez le définir de manière plus... Non, je vais attendre votre réponse et puis j'argumenterai par la suite. Bon, moi, mon intérêt, vous savez, j'ai eu une carrière... Avant ça, sans vouloir, je suis rentré en politique presque par inadvertance et sans avoir un plan, passé la quarantaine, en n'ayant jamais été dans un parti politique et en me disant que compte tenu de ce que j'avais entendu de la vie des Français dans mon coin et ailleurs, puisque j'avais eu la chance d'aller faire des reportages un peu partout et en ayant réfléchi à la situation du pays, j'avais peut-être quelque chose à apporter. Voilà. Et Jérémy, il faut préciser pourquoi est-ce que vous posez cette question-là? Alors justement, je vais la préciser. On s'était vu sur une chaîne concurrente. Et vous défendiez bec et ongle la renationalisation d'EDF, d'accord ? Sauf erreur de ma part, le 9 février, vous n'étiez pas présent à l'hémicycle quand cette loi a été votée. Alors je me souviens plus si j'étais là le 9 février, mais je peux vous dire quand. Moi, en tout cas, je peux vous confirmer que vous n'y étiez pas. Bon, en tout cas, j'étais par exemple en commission, et vous avez vu que si la loi allait passer en commission, c'est parce que j'ai contribué à la porter en commission. Et pourtant, j'étais pas membre de la commission des affaires. Si elle a été votée, c'est que les macronistes ont quitté l'hémicycle. J'étais pas membre de la commission des affaires économiques, et j'ai fait un switch pour aller en commission des affaires économiques, soutenir la proposition de Philippe Brun. Maintenant, je veux dire, revenons au fond du problème. Si jamais le fond de votre problème, c'est les difficultés avec l'électricité, peut-être que vous voulez les... Il faut nous raconter ça, Jérémy. Alors, bien évidemment, les difficultés sont hyper simples. Hein. Du fait des hausses de matières premières et de l'explosion du prix de l'électricité, nous sommes contraints et forcés de fermer notre établissement à la fin du mois. C'est une boulangerie ? C'est une boulangerie familiale, effectivement, avec mes parents. Et en fait, ce qui se passe à cause des réformes de retraite, mon père, qui devait partir à la fin de l'année en retraite, va devoir faire 2 ans supplémentaires. Quelque part, vous payez là un double prix. Je veux bien être responsable de ne pas avoir été dans l'hémicycle au moment clé, mais excusez-moi, mais les décisions dont vous souffrez, je n'en suis nullement responsable. Du fait que votre père doit faire 2 ans de plus, alors qu'on sait que être dans la farine, la respirer, c'est quelque chose qui est un facteur de pénibilité et qui nuit à votre espérance de vie. Bon, ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est, on a déjà eu un échange à ce sujet, mais là, ce qu'il nous faut d'urgence. Et alors là, regardez l'unanimité qu'il y a dans le pays. Et pourtant, ça ne se fait pas. C'est quand même incroyable. Parce qu'il y a les artisans qui sont touchés par cette explosion des prix de l'électricité. Mais il faut voir que moi, je vais chez les sous-traitants de l'industrie automobile. Leur facture passe de 70 000 euros par mois à 700 000 euros par mois. Une multiplication par 10. On a le président du MEDEF
Monsieur Geoffroy Roux de Bézieux, qui n'est pas un gauchiste, qui dit voilà, c'est une folie, ces prix de l'électricité. On a les maires qui ne peuvent plus chauffer leur piscine, qui ont des grands problèmes, eux aussi, sur l'électricité, qui viennent dire ça ne va plus du tout. On a quasiment tout le monde réuni qui dit ça ne va plus du tout. Ben là, il y a une chose qui est simple à faire, c'est de rompre avec un tarif européen de l'électricité. Dire la folie de mettre de la concurrence dans tout ça, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on a une production nationale d'électricité, elle est vendue ici, et pourtant, il faut que le prix soit fixé au niveau européen. Mais dire que cette folie-là, elle existe aussi sur les prix de l'agroalimentaire. Le prix de la betterave, par exemple, excusez-moi, mais je viens de Picardie, donc je connais très bien le marché de la betterave. Bon, le prix de la betterave qui est passé de 500 euros à 250 euros, puis qui est à plus de 1000 euros. Ça n'a aucun sens pour transformer dans les sucreries localement, pour transformer la lysine et fabriquer avec de la betterave. Ça n'a aucun sens, c'est un produit qui est fabriqué localement, qui est vendu localement, et pourtant c'est à la bourse de Chicago que devrait être fixé le prix de la betterave. Il est évident que là, il y a une décorrélation à faire, et que la betterave, le blé, un certain nombre de matières premières ne doivent pas être traitées comme juste des marchandises sur financières, mais bien comme des biens de première nécessité. François Ruffin. Là, il y a une réponse qui est de l'ordre, si on rompt avec un certain dogmatisme, il faut voir tout ce qu'il y a comme dogmatisme aujourd'hui dans la société. Je pense profondément que nous sommes le camp du pragmatisme. Nous sommes le camp du pragmatisme, et là, dire nous devons rompre avec ces prix de l'électricité qui sont délirants, qui bondissent dans tous les sens et qui font du yo-yo, bah c'est de l'ordre du pragmatisme et d'un pragmatisme assez évident. François Ruffin, je voudrais qu'on voit une des images du jour. En marge des manifestations, il y a eu quelques centaines de manifestants qui se sont invités, on va dire ça comme ça, chez LVMH, au siège d'LVMH. C'était en milieu de journée, et il se trouve, on a appris ce soir, juste avant de démarrer l'émission, que Jackie, qui est à côté de moi, Jackie, vous y étiez. Vous étiez là, chez LVMH. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez vécu, pourquoi vous y êtes allé, pourquoi ce symbole-là, et quelle est votre question ce soir à François Ruffin? Alors oui, effectivement, donc j'étais parmi les manifestants. Moi, je suis rentré à peine deux minutes dans LVMH parce que j'ai un problème ophtalmique. Donc, comme il y avait des fumigènes, c'était pas pour moi. Donc, le symbole, c'était effectivement le fait que l'année dernière, LVMH a fait 16 milliards de bénéfices. Et donc, c'était un symbole très fort pour les syndicalistes d'aller à cet endroit-là. Alors, moi, j'ai une question pour François Ruffin. Tout d'abord, François Ruffin, je vous félicite pour votre engagement pour les AESH. Donc ma question. Sur les aides dans les écoles. Les aides dans les écoles, effectivement. Ma question est une question qui me pose un petit peu un problème d'un point de vue. Ça concerne en fait la retraite des sénateurs. Quel est votre problème? Alors, il faut savoir que les sénateurs de droite ont voté pour la suppression des régimes spéciaux. Mmh. Ensuite, ils ont voté une loi donc, pour les travailleurs qui feront 43 ans au SMIC auront une retraite de 1200 euros. Ça, c'est ce qui est dans la réforme. C'est ce qui est dans la réforme. Mmh. Je crois savoir que les sénateurs, quand un sénateur fait un mandat de 6 ans, ça lui ouvre un droit à la retraite de 2190 euros. Si je sais, d'après ce que je sais, vous avez des sénateurs qui auront fait 3 mandats. Mmh. Quelle est votre question à François Ruffin, Jacques? Il faut aller à la question, Jacques. Alors, ma question... Est-ce que je vais me présenter au Sénat pour avoir une meilleure retraite? Pas du tout, pas du tout. Ma question, c'est, vous avez dit tout à l'heure, si on est aux affaires en 2027... Vous revenez là-dessus. Est-ce que vous allez revenir là-dessus? Ça pose assez peu de difficultés de dire qu'on va revenir sur la retraite des sénateurs. Je pense qu'on aura quand même des éléments un peu plus probants dans notre programme. Il y aura une question, c'est qu'est-ce qu'on fait du Sénat et comment on fait pour qu'on ait une démocratie française où les gens ont le sentiment d'être mieux représentés. Donc il y aura tout ça. Moi, je veux dire quelque chose sur les régimes pionniers, sur ces régimes. On ne parlait pas de régimes spéciaux. Ouais, ou les régimes spéciaux, à la limite. Bon. Mais c'est quels sont aujourd'hui... On devrait se demander quelles sont les professions auxquelles il faut étendre ces régimes spéciaux. Je parlais tout à l'heure qu'on voulait avoir
du monde dans le bâtiment. Enfin, ce qui me reprochait par la Macronie, c'est de dire mais jamais on aura ces centaines de milliers de travailleurs pour faire la rénovation thermique des bâtiments. Moi, je dis, on devrait avoir des publicités à la télé. Vous savez, on a des publicités pour l'armée de l'air en disant engagez-vous, défendez votre pays. Mais on devrait avoir des publicités à la télé pour dire devenez maçon, devenez couvreur, devenez zingueur, engagez-vous pour votre pays, venez sauver la planète et allez là-dedans. Mais derrière, il faudrait que les gens qui s'engagent dans ces métiers-là, ils aient la garantie qu'à partir du moment où ils souffrent du dos, à partir du moment où ils ont des problèmes au lombaire et tout ça, comme pour les militaires, il y a une autre carrière qui s'ouvre derrière eux et qu'on soit conscient qu'à partir de 55 ans, dans ces métiers-là, c'est bien compliqué. Donc je pense qu'il faudrait se demander pour quel métier on doit aujourd'hui faire des régimes spéciaux. Et je pense que les travailleurs du bâtiment devraient appartenir à ce registre-là. Aussi pour, vous savez, on parle d'attractivité dans ces métiers-là. Mais comment on rend des métiers attractifs en disant, dans ces métiers pénibles, vous aurez 2 ans de plus à faire? Mais quand vous voyez cette image justement de ces grévistes, ces manifestants qui sont allés, qui ont envahi le siège de LVMH, vous auriez voulu y être, si je comprends bien? Parce que vous dites que la solution est aussi là-bas. Je dis qu'il faut que Bernard Arnault appelle... je veux dire, comme manifestement Emmanuel Macron a beaucoup de mal à entendre les Français, ce qui serait bien, c'est que les patrons l'appellent, parce que eux au moins on sait qu'ils sont au bout du fil quand ils leur remettent la Légion d'honneur et ainsi de suite. Bon, je vois qu'en France on est quand même dans une situation où avant les Jeux Olympiques, on a déjà sur le terrain des grandes fortunes remporté à la fois la médaille d'or et la médaille d'argent avec Bernard Arnault, avec la famille Bettencourt. Donc tout ça est très bien. Ce que je demande simplement, moi je suis pour la concorde nationale, c'est que ces gens appartiennent pleinement à la patrie et qu'ils payent leurs impôts à France. On ne doit pas avoir un yacht immatriculé. Les taxer, ça comblerait le déficit des recettes, taxer les ultra-riches. Écoutez, est-ce que le yacht ne peut pas être immatriculé ailleurs qu'à Mal, par exemple? Mais vous voulez que je vous rappelle les chiffres LVMH, parce qu'on n'arrête pas de les rappeler à chaque fois. C'est 4,5 milliards de prélèvements obligatoires, c'est les cotisations sociales, c'est le premier employeur de France. Attendez, c'est... LVMH, c'est l'entreprise qui emploie chaque année, qui crée le plus d'emplois en France, 15 000 chaque année. Vous savez combien ça gagne un employé chez LVMH? Ça gagne presque 2 fois ce que gagne un employé ailleurs. Alors j'en ai marre d'égrener tous ces chiffres comme si j'étais le dircom de LVMH. Et je veux dire, vous ne pouvez pas critiquer une boîte qui apporte autant à l'économie française. Alors, franchement, vous savez, j'ai fait vœu d'essayer de me désarnautiser et de pas parler de Bernard Arnault toutes les 30 secondes. Mais monsieur le chip, quand vous parlez de LVMH, ne parlez pas d'LVMH, parlez de tous les sous-traitants. Parce que la réalité de LVMH, c'est qu'il y a peu de salariés directement de LVMH, mais qu'il y en a énormément dans la sous-traitance. Donc c'est là qu'on peut aller ensemble rencontrer les salariés. Et c'est pas le paradis sur Terre, c'est des petits salaires. Bien qu'on soit dans le luxe, on se paye pas les sacs de luxe. Bon, voilà. Mais je le dis encore une fois, avec la volonté que notre pays soit tiré vers le haut, y compris par Bernard Arnault et par Liliane Bettencourt. Et que, vous savez, quand même, quand il y a un scandale comme OpenLux qui éclate, on voit qui a ouvert des comptes au Luxembourg. On a quand même Hermès, Arnault, Mullier et quasiment la totalité des grandes fortunes qui sont dans les listings de là-bas. Quoi. Donc, voilà. Une toute dernière question, François Ruffin. C'était présent dans l'émission, mais on va quand même le montrer, ce tweet de Jean-Luc Mélenchon qui écrit « François est prêt, en avant ». Vous êtes prêt pour quoi ? Non, mais je pense que l'objectif, c'est que nous soyons prêts. On a la réponse. L'émission nous a donné une réponse quand même. Vous êtes prêts pour 2027, non, vous l'avez dit sans le dire. Moi, ce qui m'importe, je vous le dis franchement, c'est qu'on construise une équipe. J'ai dit, il me semble, la conscience que nous devons avoir des défis que nous avons affrontés. Un défi moral, les Français sont démoralisés, sont déprimés. Un défi démocratique, ça va pas bien sur ce point-là dans le pays. Un défi avec tous les services publics à relever. Mais un défi climatique qui est devant nous et qu'on devrait prendre à bras le corps. C'est pas un homme seul, avec ses 2 petits bras musclés et son cerveau, qui résout ces problèmes-là. Ces problèmes-là, ils sont résolus s'il y a une équipe entière. Alors, il faudra un capitaine à la tête de l'équipe. Et ce serait vous ? Non, ça serait pas forcément moi. Voilà, moi, vous savez, je l'ai dit, moi, je joue au foot le dimanche. Et quand le coach me dit « tu joues arrière-droit », ben, je joue arrière-droit, même si c'est pas mon poste préféré. Donc, voilà. Mais et encore une fois, et même c'est pas cette équipe-là de 11 bonhommes ou de, je sais pas, 50, 100 bonhommes qui va résoudre les problèmes. Si jamais on n'arrive pas à mettre en branle la société française et qu'elle ait l'envie, vous savez, la chanson de Johnny, l'envie d'avoir envie, c'est quand même un peu ce qui manque aujourd'hui dans le pays. Les gens, ils savent pas dans quel sens. On a la chanson déjà de votre campagne, voilà, en 2027. Johnny, mais ça va me faire beaucoup de droits d'auteur. Mais voilà, je pense que ce qui a rallumé dans le pays, c'est
qu'on se dise on a envie de faire ensemble, on a envie de tirer notre pays ensemble dans la même direction. Et aujourd'hui, le pays, il est dans l'impasse, dans l'ornière et il est en panne. Merci beaucoup François Ruffin d'avoir été notre premier invité de cette émission. On se retrouve dans un instant. Maxime va revenir et les Français vont envahir le plateau. Vous allez voir ça. À tout de suite.